Si et si une nouvelle bombe dont se serait bien passée la famille royale britannique. Le 11 août 2020, le livre Finding Freedom, écrit par Caroline Durand et Omid Scobi, devrait être disponible en librairie. Les auteurs assurent offrir aux lecteurs des révélations exclusives sur les raisons qui ont poussé le duc et la duchesse de Sussex à prendre leur distance avec leurs fonctions royales. Seulement, la reine Elisabeth II pourrait être celle qui serait la plus bouleversée par cet ouvrage. Cela pourrait ouvrir de vieilles blessures à un moment où tout le monde espérait passer à autre chose. Elle pourrait tout de même être rassurée d'apprendre que ni le prince Harry, ni Meghan Markle n'ont contribué au roman, comme le rapporte le Daily Mail. Dans le livre, on découvre notamment les deux mots qui seraient à l'origine de la brouille entre les deux fils du prince Charles. La reine aurait été totalement surprise par le choix des parents du petit Archie. L'élément de surprise, l'aveuglement de la reine, pour les autres directeurs qui sont tous très conscients de cela, à juste titre, était profondément bouleversant, a témoigné un proche de la famille royale dans le roman. Depuis leur mariage, Meghan Markle et le prince Harry se sentaient mis à l'écart de la famille royale. Les auteurs les décrivent comme ayant été seuls et sous pression. D'ailleurs, contrairement à ce que tout le monde peut penser, ce ne serait pas l'ancienne comédienne qui voulait absolument prendre ses distances avec la famille royale, mais plutôt le prince Harry. Le prince Harry ne se sentait plus à sa place dans la famille royale. Omid Scobi et Caroline Durand affirment même qu'il aurait envoyé un e-mail à la reine Elisabeth II et à son père, le prince Charles, pour leur faire part de sa volonté de s'éloigner de ses devoirs royaux et de passer plus de temps à l'étranger.